Bonjour tout le monde, c'est Belba pour la journée 17 et l'épisode 16 si je me trompe pas. On se retrouve tout de suite sur la rivière du destin parce qu'on va trouver notre destin puisque j'ai déjà fait cette bug, elle est vraiment pas drôle. Alors bon, c'est pas si grave, ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné du Pikmin donc je vais essayer de me re-rentrer dans le jeu. C'est toujours bizarre de dire re-rentrer dans quelque chose parce que si on rentre dans quelque chose, bon on a déjà peut-être déjà rentré donc c'est pas besoin de dire qu'on a re-rentré, c'est comme dire re-rentrer dans notre maison à chaque jour. Ça ne sert à rien. Donc c'est un peu la même chose, mais bon. C'est surtout que je vais dire que je vais essayer de me relancer dans le jeu, puisque ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas retouché à ce jeu. Donc, c'est ça que je vais faire, hein. C'est tout de suite comme ça qu'on va commencer l'histoire, hein. L'histoire de Pikmin est une histoire. Voilà. Donc, je regarde la carte vite fait, bien fait, parce qu'il faut que je me retrouve un petit peu où que je dois aller, et je crois que c'est par ici. Oui, voilà, c'est exactement ici que je dois aller. Waouh, Mad Bob, t'es trop fort. Tu sais tout ce qui se passe dans cette aventure machiavélique. Même si elle n'est pas machiavale. Même si ça n'a aucun sens ce que je dis. Bref, il faut passer sur le pont. Et c'est ça que ce qu'on fait. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a donné une très bonne idée. C'est qu'il m'a dit, pour démolir la fameuse petite... L'oignon ici, exactement, qui est devant nous. Il a dit, essaye avec un Pikmin de pierre. Et c'est ça qu'est-ce qu'il m'avait dit de peut-être utiliser pour que ça fonctionne mieux. Mais je sais pas si ça fonctionne. Ouais, voilà. C'est exactement comme ça qu'il faut qu'on fasse pour faire fonctionner le tout. Donc en gros, c'est la roche qui fait tomber le fil vu qu'elle est trop lourde. Et là, il y a des nouveaux Pikmin ici. Mais qu'est-ce que c'est? Ah là là, mais on va le savoir dans quelques instants. Mais j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? On va le déterrer et voilà. Pikmin ailé. C'est un Pikmin avec des ailes, je crois. S'il dit ça dans le texte, je pense que je rigole. Le gnome qui a été prisonnier de la toile de la créature a donné naissance à un Pikmin d'un nouveau type. Il a de petites ailes. C'est la première fois que je vois un Pikmin volant. Splendide! Donc c'est une nouveauté dans Pikmin 3. Pikmin 3. C'est la Pikmin qui vole. Mais qu'est-ce que ça fait, la Pikmin qui vole? What? Il a tiré quoi? Ils peuvent soulever des objets. Nice, le... Mais qu'est-ce que ça fait? Ah ok, c'est après ça sort un truc comme ça. Ouais, est-ce que je peux rentrer? Non, je peux pas rentrer mes Pikmin ici. Bon bref, je vais aller porter quelques Pikmin, je vais tout de suite faire ça. Donc on va faire un truc, on va séparer les troupes. Je dis qu'on va séparer les troupes. On va prendre ça ici, comme ça. Et on va retourner à notre position de départ. What? Est-ce que j'ai perdu un Pikmin? Je sais pas si où je l'ai perdu. Je pense qu'il est tombé dans l'eau. Oh non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, what? What? What the fuck? Mais what the fuck? What the fuck? Mais what? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'était que ces merdes? Ils sont tellement sortis de nulle part. Ça m'a vraiment fait le saut, quoi. Oh merde, j'ai perdu des Pikmin comme des cons. Bon. Je pense que je vais me concentrer sur la récolte de nouveaux Pikmin. Dans cet épisode. On va essayer de se concentrer sur les Pikmin. J'avoue que si j'aurais pris l'oignon, ça m'aurait peut-être aidé un petit peu plus. Mais bon, on va tout de suite se concentrer sur cette mission de type mission. Donc, ce qui veut dire d'avoir deux nouveaux Pikmin. Et toi, avec toi, mec badass, tu vas aller à la découverte d'autres Pikmin. Je crois que ça serait pas si mal que tu fasses ceci. Je sais pas trop où me rendre. Et là, je pense que j'ai un Pikmin qui était rentré. Ah ouais, deux Pikmin qui sont rentrés. On va y ressortir. On va récolter un petit peu plus de Pikmin. Parce que j'en ai grandement besoin. Quoi, 1 sur 3, 1 sur 3 pour transporter quoi, je ne sais pas. Il y avait sûrement quelque chose d'intéressant à soulever. Sûrement. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Bof. Les Pikmin et les sont quand même sympas, mais le seul truc que... Ah, ici, il faut que j'en aille plus. Il m'en manque quand même à lancer. Ok. On en lance un ici. Il faut en lancer deux. Je sais pas pourquoi ça m'en prend plus pour les faire sortir. Ah, ici il y a un truc pour les faire lever. Ah 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 ah. Ah ok, il y a des mini trucs chiants quoi. Ok, je viens de comprendre. Ah, en plus j'ai perdu un Pikmin. Ah non, j'ai pas perdu de Pikmin. C'est les Pikmin qui sont en train de buter les autres. Voilà, prenez. Prenez mes Pikmin. Prenez, voyons, petit guerrier. Ah, ça c'est un fruit. On va sûrement les porter. Ok, mais là, juste prendre la plupart des Pikmin. Pour après
faire bouger le nénuphar. C'est comme ça qu'on va découvrir un petit peu plus dans notre aventure où il faudrait qu'on se rende. Donc là, j'en ai trois là-bas qui me servent strictement à rien. Attendez, on va cibler le tout, je pense ici. Ouais, je vais en avoir assez. Allez-y. Sauvez le truc. Et voilà, les nénuphars vont se déplacer. Good job, les petits Pikmin, allez. Ils sont sympas, moi je les aime bien. Moi je les aime bien. Bon, appel entrant, qu'est-ce qui se passe? Tiens, un appel, je me demande qui ça peut bien être. C'est peut-être... What? Mais c'est... What? C'est Louis! C'est notre ami Louis! Dolphin, je suis le Capitaine Holly. En haut, grand arbre, créature, horrible. À la... Oh, il se fait attaquer, Louis! Non! Capitaine Holly? Capitaine Holly mort? C'était donc lui! C'est l'auteur du journal dont nous avons trouvé des pages, le Capitaine Holly mort. Il a dû être victime d'une embuscade. Allons vite lui porter secours! Le signal du Capitaine Holly mort provenait de l'aval de la rivière. Bah, il va falloir qu'on se rende par là-bas. Pas trop le choix, hein. Bon. Est-ce qu'il y avait quelques autres trucs à récolter? Là, la question que je me pose, est-ce que les Pikmin ailés peuvent traverser de l'autre côté comme ça? Oh, ça, c'est génial. J'adore. Vraiment, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien l'idée qu'on puisse traverser dans l'eau, comme ça. Et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir trouver les Pikmin bleus. Ouais! Vous pouvez sauver les Pikmin pris dans la toile et les appelant avec votre sifflet. Ok. J'avais suivi peut-être cette logique. Donc là, avec les Pikmin ici, je vais me transporter de l'autre côté. Hop. Et bye bye. On se trouvera plus jamais. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres trucs à explorer peut-être par ici. Dans je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ici je peux les lancer? Non, ils se rendent pas. Impossible. Impossible. Bon, mais Charlie, on se revoit dans 1000 ans. Content de t'avoir connu et qu'on ne se revoit plus jamais. Non, je vais aller voir Charlie qu'est-ce qu'il fait en pas trop longtemps parce que ça m'intrigue, j'ai pas envie de le perdre non plus. C'est ça le grand arbre sur moi. Donc une nouvelle zone ici. Et d'avoir juste les Pikmin et Pikmin Jones, je ne crois pas que je ne sois en une si grande sécurité. Ça me fait un peu peur. Ils frappent pas très fort. Ok, les Pikmin ailés ne frappent pas très fort, mais les Pikmin rouges frappent très fort. Ce que j'ai appris aussi il n'y a pas trop longtemps, c'est qu'ils étaient plus forts. Attendez, il y a une sortie ici. Ah ah. Ah mais ça c'est une bonne chose, je vais pouvoir faire tomber ce truc. Nice. Bon, mais j'ai pas besoin de faire tout le chemin avec le nénuphar. Encore le nénuphar, il servait juste à se rendre d'un côté, mais là je vais pouvoir me rendre plus facilement de ce côté-là, de cette façon. Donc en même temps il sert à rien, mais en même temps il sert à quelque chose. Bref, c'est pas vraiment l'utilité très utilitable. Ça n'a aucun sens ce que je dis, bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris hein, dans mon délire des fois de dire des trucs qui ont aucun sens. Vous êtes rendu habitué de toute façon, hein, vous êtes rendu habitué. Ne vous dites pas que c'est le cas ou que c'est pas le cas. Est-ce que j'ai sorti les Pikmin? Moi je crois que je les ai sortis. Là, je crois que je vais juste faire peut-être quelques... Attendez, est-ce que je pouvais... Ouais, ici, je peux faire tomber le truc. Ouais, mais je vais aller chercher lui. Allez, viens. On va traverser de l'autre côté. Je pense que ça va être une journée assez calme. Je vais pas faire extrêmement grand-chose dans cet épisode. Ça sera plus un épisode un petit peu plus... J'explore les horizons et je découvre de nouveaux endroits. Voilà. C'est comme ça que cet épisode va s'appeler. Je découvre l'infini et l'au-delà. Est-ce que je peux la lancer par... Non, je peux pas la lancer par-dessus. Bon, ça sert à rien ce que j'ai fait. C'est un peu con. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici? Moi, ça, le nénuphar fait tout le contour. Donc, je vais aller jusqu'à là-bas pour pouvoir traverser de l'autre côté. Je pense que c'est ça qu'est-ce que je vais faire. La meilleure des solutions, c'est celle que Mad Bob aura la journée même.
Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, mais on se parle. Ouais, non, j'ai pas trop d'idées par où je vais aller. Bon, attendez. Je vais aller vérifier. Bah, pas vérifier, mais je vais aller explorer. Le petit temps qui me reste, il ne m'en reste pas beaucoup. Mais que faire de ma journée? Je ne sais point de faire ce que je veux faire de ma journée. Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Bref. Ouais. On va se promener par ici. Prendre mes Pikmin qui sont trop forts ici. Il en faut 4. Non, il en fallait un petit peu moins. Ça, il fallait 5. Bon, on s'en fout un peu de ses ennemis. Bon, on va les buter, ça prend 2 secondes. Buter tout. Et ne transporter rien. J'ai pas envie. Ça, ils vont sortir quoi? Ok, un truc comme ça. Bon, ils vont le transporter. Bon, je pense que je vais faire la même chose avec ceux ici. Ça va pouvoir les transporter et se rendre vers d'autres endroits. Ici, il y a un mur. On va le défoncer. Même si je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon. C'est pas non plus la fin du monde. Ah, eux, ils sont bloqués. Mais ils sont débiles. Je vais prendre Brittany, je crois. Je vais avancer par là. Lui, je vais attendre ici. Brittany, vas-y. On va aller chercher des Pikmin de rush, comme ça on va pouvoir défoncer ce mur. J'ai quand même beaucoup de trucs à faire dans cet épisode. Bah pas tant que ça, mais dans ce sens oui, parce qu'il faut quand même que j'essaie de délivrer, entre guillemets, plusieurs endroits pour pouvoir mieux traverser par la suite. Donc, je vais prendre 15 comme ça, je vais en prendre 15 comme ça. Je pense que c'est pas mal. Il faudrait que je retrouve du nectar, je sais pas où qu'il y en avait. Il va falloir que je me concentre là-dessus aussi. À trouver du nectar pour les Pikmin ailés. Parce que de les avoir non ailés, ça me fait un peu un petit peu chier. Ouais, il faut juste que je fasse défoncer ce truc. Mais vas-y, ça va faire défoncer ou non, Hugo? Non mais. Casse-toi, espèce d'araignée de merde. Non mais, casse-toi, araignée de merde. Non mais vous transportez pas ça. Vu que vous butez l'araignée. Butez la putain d'araignée. Je suis vraiment en train de perdre toutes mes Pikmin comme un con. M'énerve. Bon voilà. Ok, faut juste buter l'araignée pour faire traverser le truc. Ouais, ok, on va lancer les Pikmin ailés. Là je pense que c'était fini de défoncer le mur. Voilà. On va reprendre tout le monde. En gros, le nénuphar se rendait jusqu'ici. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre d'important. Ouais, ici, je peux démolir ça. Comme ça, j'aurai plus de Pikmin ailés. Ça, ici, il y a un pont à traverser. Donc, il va falloir que je me concentre sur ce pont. Il y a des ennemis que je viens juste de voir. Menixaras. Menixaras, j'ai dit. Menixaras. Oh, pute. J'ai hyper des Pikmin comme un con. J'aime pas les feuilles, on peut pas voir si c'est des... J'aime pas l'ennemi que j'ai vu. Ils sont les spécialistes du combat aérien. Ok. Du coup là ça va. Mais là j'aime pas l'ennemi que j'ai vu. Je n'aime vraiment pas. Comme casse-toi, ne reviens plus jamais, je ne veux pas te voir. Attendez, je vais continuer un petit peu. Ok. Si on les approche par devant, ils vont nous dévorer. Ouais, ok. Pas une bonne idée. Rien n'est une bonne idée dans ce jeu, de toute façon. Non, mais casse-toi, je veux pas te voir, toi. Non, laisse-moi tranquille. Non, mais toi, arrête de... Non, mais toi, là, toi... Rappelez les Pikmin. Oh, j'ai perdu plein de Pikmin. M'énerve. Est-ce que je peux faire le tour par ici? Je ne sais point. J'ai pas vraiment fait grand chose dans cet épisode jusqu'à maintenant. Ouais, traverse. Ouais. Moi, il est pas venu me déranger, ça c'est une bonne chose.
Donc là, il manque beaucoup de Pikmin. Je vais essayer d'aller les rechercher, peut-être avec Alf. Vas-y, va à la recherche des Pikmin manquants. Je sais pas ce qui manque, je pense que c'est juste les Pikmin et les... Ouais, voilà. C'est eux qui manquent le plus. On va tout de suite aller les chercher. Comme je vous dis, c'est un épisode beaucoup plus calme comparé aux autres. Tout simplement pour la bonne et simple raison que j'ai juste fait de l'exploration. Je me suis vraiment concentré là-dessus et non sur le reste de notre aventure. Et là, il y a 10 Pikmin roses qui sont revenus, quoi. Ils sont... What? Mais où sont-ils là? Je les ai perdus, là. Je pense qu'ils sont revenus ici, hein. Ils sont en lieu sûr, mais j'ai aucune idée où. Et là, il y a un gros bouton ici que je peux prendre. Il y a un fichier. J'ai maintenant exploré la majeure partie de cette planète. Après tous les combats que j'ai menés, je n'ai plus besoin de ce machin truc. Peut-être qu'il ne sert à rien ici, mais je vais quand même l'enterrer là pour de futurs visiteurs. Je suis prêt à dire que c'est la clé supraluminique. Mais bon, sait-on jamais. Ça ne peut... Peut-être que ça ne soit pas le cas. Ou ça se peut que ça soit le cas. Il y a un autre fichier à prendre ici. Ce champignon devrait nous permettre d'atteindre la falaise en face, mais avec Louis comme coéquipier, rien à faire. Il me faudrait un partenaire plus adapté. Ça me fait penser à ma petite femme sur Autotact. Elle doit être en train de faire un bon gâteau aux carottes. Il est trop méchant vers Louis. Louis. Là, il y a quelque chose qui se cache. Ce que je disais, quelque chose qui se cache. Nanana, casse-toi. Plus, c'est le héron. Il semble qu'on peut faire tirer... Oh, ok, je peux faire tirer cette barrière, mais j'ai pas envie. Pas envie de faire ça tout de suite. Bon, ça a l'air que j'ai pas de Pikmin qui me manque sur le terrain, mais je sais pas son... Bon, je crois finir cette journée. Comme ceci. Et là, tu vois, je pars 8 Pikmin. 8 millions de Pikmin qui sont disparus à tout jamais. Non, c'est pas le cas. Mais bon, de toute façon, les oignons vont se mettre ensemble. Là, ça peut être un petit peu plus simple, puisque... À moins qu'ils se mettent pas ensemble. Normalement, ils devraient se mettre ensemble. Et voilà, comme je disais, ils vont se mettre ensemble. Et bim. Ta-da-da-da. Ouais, il a absorbé son copain. Ça fait souvent partie de leur plan de bataille. Continue d'évoluer. On dirait que l'oignon a encore grossi. Bah oui. Comme map. Ok, peut-être pas. On va récolter deux fruits, on va les tout de suite les mettre en bouteille. Une bouteille, sûrement deux. Peut-être trois? Ah non, deux et demi. Bon, c'est pas si mal. On a fait de toute façon plus d'exploration, plus que n'importe quoi. C'est ça l'important. Dans cette journée, qui a été plutôt calme, on a trouvé de toute façon un nouvel oignon, on a perdu 37 Pikmin. Ah ça, ça fait mal au cul. Ça ouais, ça fait vraiment mal au cul. Il va falloir que je me concentre vraiment sur la récolte des Pikmin ailés. C'est que je vais me concentrer et d'avancer un petit peu plus, parce qu'on n'a pas vraiment découvert beaucoup de trucs. Bon, je pense que c'est ça que je vais me concentrer. Nous avons enfin été contactés par le Capitaine Lemur, l'autocassin qui a préparé tous ces fichiers que nous avons trouvés. Il semble avoir été attaqué. Si lui, il arrivait malheur, ça serait horrible. Ça serait terrible pour nous. Il est le seul à savoir où se trouve notre clé supraluminique. Nous devons vite aller à son secours. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Mais bon, ça sera dans un prochain épisode. J'espère qu'un jour je vais trouver le fameux Capitaine Lemur. Donc merci d'avoir regardé, laissez un petit pouce vert et on se revoit dans les prochaines vidéos. Salut tout le monde!